Mouliwé. Alors d'abord, quel est votre nom? S'il vous plaît. Kabogora Aaron. D'accord. Kabogora Aaron. Enchanté. Aujourd'hui, donc, on est le 20 août 2012. Uno munsi turi tariki makumyabiri z'ukwezi k'umunani bibiri na cumi na kabiri. Voilà, et je voulais vous parler parce que vous avez rencontré Serge Farnel sur le bord de la route avec vos amis il y a 3 ans. Nashaka ko tuvugana kuko wahuye na Serge Farnel yanditse igitabo kiriya musaza afite wari ku muhanda muri kumwe n'abandi bagenzi bawe. Uretse ko tutari tuzi ngo abazungu ni abafaransa ndavuga icyo gihe uretse ko twabonaga ko abazungu bari muri ibyo bitero ariko noneho ubwo icyo cyiciro ni icya mbere cyo mu kwezi kwa gatanu icyiciro cya kabiri nibwo baje mu kwa gatandatu ariko iyo tuza kumenya aribo bari baje mbere nta nubwo twari kuza guhura nabo La deuxième fois qu'ils sont venus, c'était David. Dadi. Attends. La deuxième fois qu'ils sont revenus, c'est au mois de juin. Ok. Mais si nous avions su exactement si ça avait été des Français au mois de mai, là nous serions même pas manifestés. Et je voulais savoir. Donc vous êtes de la région de Bicécéro. Ok. Donc, vous avez fait face aux attaques des miliciens. Est-ce qu'il peut nous raconter un peu, donc après le 7 avril, le fameux 7 avril, qu'est-ce qu'il fait exactement? Où est-ce qu'il est? Tout ça. Itariki ya karindwi y'ukwa kane aho wari uri no ku bintu byari bimeze itariki ya karindwi z'ukwezi kwa kane nari ndi hano mu Bisesero 7 avril 94 j'étais ici à Bisesero ubu habayeho ariko reka mbanze gatoya ugakoresha eshatu habayeho kuvuga ko indege ya perezida yahanuye indege ya perezida wa repubulika ko yahanuwe nyine babwira abantu bavuga bati nta muntu ugomba kugenda yewe nari mfite akazi nakora biriya gisovu baraduha bareka baravuga bati nta bantu bagomba kuva mu rugo ariko hari nijoro nyine babivuze ubwo nijoro ubwo ni ukuvuga genda bimenye mu gitondo nari nafashe na gahunda yo kugenda mu kazi Entre temps, le 6 avril, il y a eu le crash présidentiel. Et le lendemain, j'ai su que, moi je travaillais à Gisovu, j'ai su que les ordres avaient été donnés pour que les gens restent chez eux et ne circulent plus. Personne ne doit quitter là où il est. D'accord. Et qu'est-ce qu'il a fait lui? Est-ce qu'il est resté chez lui ou est-ce qu'il il est sorti de sa maison quand même? Et vous êtes. Wakoziki, wagumye mu nzu yawe. Nagumye hano nyine Bisesero, nta hani nagiye. Moi je suis resté à Bisesero. Nagumye aho ngaho. Je suis resté à Bisesero, iwawe. Ubwo ni hano nyine muri batubyita ngo mu mudugudu cyangwa se. Iwawe. Je suis resté chez moi, je ne suis allé nulle part, je suis resté dans mon village. Mais est-ce qu'il était dans sa maison? Est-ce qu'on leur disait de rester dans leur maison même ou est-ce qu'il avait le droit de sortir dans son jardin, enfin dans son. Baravuga ngo mugume mu mazu cyangwa se washobora gutambuka cyangwa uravuga ngo usohoke ujye mu baturanyi n'iki kwari ukuvuga ngo iyi komini yari igishyita ntabwo wari wemerewe kuva muri igishyita ngo ujye muri Gisovu nta n'ahandi wagombaga kujya kwari ukuvuga ngo abantu bagume aho bari batuye nta muntu wemerewe kugenda cela signifie que on doit rester sur sa colline On n'est pas autorisé à se déplacer d'une commune à une autre. Vous voyez? Non, non.
et continuer. Le 7 avril, le 7 et le 8 avril, il y a eu des attaques qui montaient depuis Gishita et qui étaient dirigées vers Isibisesero. D'accord. Ariko hitwajwe ngo umukuru w'igihugu yapfuye ariko noneho bigomba kwishyurwa mu gupfa kwe bigomba kwishyurwa abatutsi babihori. Le prétexte de cette incursion chez nous, c'était venir ici pour nous infiltrer, nous attaquer, parce que il prétendait que Habyarimana est mort et ce sont les Tutsis qui doivent payer. Parce qu'ils sont à l'origine de sa mort. Nous étions plongés dans une confusion totale, à tel point que nous ne pouvions pas donner une explication à cette situation. Surtout quand on voyait que les gens commençaient à se diviser sur les collines et nous ne comprenions pas. Se diviser, par exemple, qu'est-ce que ça veut dire? Quoi, on a quoi, nous bêtons du Kenya, nous bêtons du Kenya. Ubuzari inkuru zitambuka nyine ntabwo bemerewe kuva ahantu bagaterahana ubwo aho twari dufatikanyije nawe ndure ko bijyanira hamwe ibinkuru yumvikana twari dufatikanyije twese turi hamwe twari tutaramenye iby'irobanura twagiye ko aho kugira ngo amoko asubiranemo noneho twarafatikanyije tujya kurwanya abo bantu kuko bari batubwiye ko ari ibisambo bari baturutse mu gice cy'epfo cya Gishyito. Alors ces attaquants qui venaient Togishita, et nous ne comprenions pas. Parce que eux, ils venaient des autres villages et nous les avons considérés comme des bandits qui venaient nous attaquer, nous voler. Alors, nous, dans nos villages, nous tous ensemble, Hutu et Tutsi, nous nous sommes mis ensemble pour repousser ces attaques. Parce que nous les considérions comme des voleurs et des bandits qu'il fallait combattre et repousser. Alors, nous les avons repoussés, mais à un certain moment, les leaders locaux qui étaient des Hutus, ont répandu des informations dans nos villages pour dire aux Hutus de se séparer des Tutsis. Sinon, il va y avoir des représailles contre des Hutus qui restent avec des Tutsis. Et ça, c'était combien de temps après l'attentat quoi? Et bien, bien, à peu près. Donc de 8 autour de 8 on était toujours ensemble, mais dès le 8 au 9 il y avait déjà une séparation, nous étions déjà séparés des Hutus et qu'on avait retranché, retiré de nos rangs et nous restions seuls comme Tutsis seulement. Barabigije bati mwebwe ni muve muri muve hano tubone uko tumenye aho abatutsi baherereye mwebwe arabagiye bagiye bahungira za Gishyita babavanamo hano twari tuturanye noneho hasigaye twebwe rero ubwacu noneho
kugira ngo tubone uko none aho tuba bakuyemo barajyana barajyana n'imiryango yabo babo les familles Hutu, les Hutu et leurs familles, on les a sensibilisés et puis on les a retirés de nos villes, de ces villages et puis on les a amenés à Gishita. C'était une façon en fait d'isoler les Tutsis pour pouvoir les exterminer. D'accord. Nos voisins Tutsi ont été retirés des villages. Nous avons compris que J'ai vu des blancs, ne me doute pas nécessairement le jour de la grande attaque, mais il a vu des blancs. La veille, avant cette grande attaque, il a vu les blancs, même avant, même dans la grande attaque, il y avait des blancs, il les voyait, même avant, il les a toujours vus. Toujours vus, c'est-à-dire Et dans ces jours-là, à l'approche de la grande attaque, les blancs sont venus aussi, il les a vus. D'accord. Mmh. À l'approche de la grande attaque. De la grande attaque, c'était durant cette période qui approchait la grande attaque, les plans, ils les a vus. Ouais. Est-ce que dans les années qui ont suivi le génocide, est-ce que vous avez, entre rescapés, est-ce que vous avez discuté de ces blancs que vous aviez vus le 12 ou le 13 mai? Agatia, nous avons rencontré le génocide. Moi, je suis un peu plus grand. Kuri abo bazungu mwagiye mubona baje muri grand attaque twari kuganira oui hagati je pouvais nous pouvions discuter de cela ati non mais entre eux je veux dire entre eux hagati yanyu mine ugresi nyine mu bitubaze ari abafaransa nakubwiye baje nakubwa amatariki baje ngo twari gusubira mu bazungu tubavuga nahise ngo tubatangire ubuhamya nabo twari kujya kubarega tuza bari twakabonane n'intera hamwe twagiye tumenya n'itangura apart ces français sont venus est-ce que nous pouvions reprendre ces discussions ces échanges pour donner des témoignages contre ces blancs ou faire quoi ugresi bari ubugubugu nyine mu bitubajije À part que maintenant nous pouvons en discuter, maintenant que nous vous posez des questions, là nous pouvons nous exprimer. Mais au niveau des gachachas, est-ce que pendant les gachachas, il fallait aussi dire que les blancs étaient dans les tueries? D'accord. Ok. Merci beaucoup. Mona Kozetiani.